Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 16e épisode de mon let's play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 2. Alors, la dernière fois je vous avais laissé, on avait réussi à prendre Uxcal, ce qui est absolument génial, hein, parce qu'il reste plus que 3 grandes villes dans le royaume de Swadia, et on aura conquéri tout le royaume. Ce qui veut dire que je peux... Attendez, je vais regarder l'inventaire... Ok, mon inventaire est vide, enfin vide, entre guillemets. J'ai combien de sous-sous? 4000, c'est bien. On peut aller voir ce qu'il y a au front, étant donné que là on est 66. Ah oui, non, il fallait que j'aille avec Lucas pour voir si je pouvais pas m'occuper de mes prisonniers. Il y a le roi Gravette, à contre-élan. Et on voit clairement que là, ils sont bien nombreux, les... Les équipes, enfin les membres des différentes. Zut, je sais pas comment dire. Les équipes. Non, c'est pas des équipes. Les troupes, voilà. Les troupes des différents seigneurs sont plutôt nombreux par rapport à moi. Alors, du coup, je vais voir du côté de Jelkala. Alors. Ouais, c'est ça, 203, c'est quand même énorme. 61 prisonniers, ils arrivent à les gérer avec 203. Est-ce que je peux arriver à les choper? Ouais, c'est possible. Ça pourrait faire un beau match. Enfin, un beau match. Une belle bataille. 66 contre 35. Allez, c'est parti. 34, d'ailleurs, c'est même pas 35, c'est 34. On peut y aller comme ça, je pense que... Ça craint pas trop. Alors, c'est un terrain vallonné, ce qui m'embête un peu. Ils sont où? Ils sont là. Alors, on va les faire charger. Mon cheval prend un petit peu, voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Y a pas de problème. Ah, de nouveaux ennemis sont arrivés. Il reste quelques ennemis en face, c'est rien. Voilà, je leur fais énormément de dégâts. Reste un... Et oh, pousse-toi. Mais du coup, il y va, lui. Est-ce qu'il va arriver à s'enfuir ou est-ce que je vais avoir d'abord? Ok, je lui inflige un point de dégâts. Tiens, bouge pas. Mais... Je lui inflige que dalle en dégâts. Il va se barrer. Allez, winner. Oh, on a perdu un lancier Rodoc. Eh ben dis donc. On est plutôt nombreux.
Tac, on va pouvoir piquer tout ça. Tac. Voilà, 112 deniers. Des soldats sont prêts à être promus. 706 deniers la semaine. C'est quoi cette équipe de malades? Et alors ça me fait penser qu'il va falloir que je me méfie à ce niveau-là. Parce que si je perds tout mon pognon d'un coup, ça va pas le faire. Donc là il y a un héros, sauf que j'ai plus de place dans mon équipe, désolé. Ok, du bœuf pourri, on peut virer. Il faudrait que je pille un village. Parce que j'ai genre plus beaucoup de bouffe et j'ai pas envie d'en acheter, ça coûte super cher. Voilà, 593 deniers. Donc on va remonter du côté d'Elbert. Je pense que là, ça serait pas mal. On va remonter là-bas. Et en passant par Yalen, on va voir s'il n'y a pas un moyen de rançonner. Mon personnage, je monte de niveau dans 2000 points d'expérience. Ce qui fait quand même beaucoup. Ah vache, j'ai plein de villages en train d'être pillés là. Méfiance. Ah mais c'est les armées du roi machin qui pillent. Ah non mais les armées à 277 pardon. Ça fait quand même beaucoup. Royaume du Nord a déclaré la guerre au royaume de Swadia. Ça par contre c'est intéressant parce que ça veut dire que qu'ils vont avoir une double guerre sur le dos et c'est craignos pour eux. Et bon pour nous. Je crois qu'on n'a pas de double guerre. Faction. Swadia. En guerre contre Royaume des Nord, en guerre contre Royaume des Rodok. Et nous. En guerre. Ok, on est en guerre juste avec le royaume de Swadia. Bon, par contre, là, le roi, il a pillé plein de villages sur son sillage. C'est pas franchement cool. Y a pas de rançonneur. Il y a un ménestrel, un épice sous contrat. Bon. Bah allez, on va aller du côté des berles. Peut-être qu'on va croiser du monde, mais pour l'instant, là, je pense que on doit faire tellement peur aux autres adversaires. On a genre des vétérans, des tireurs d'élite. Oula, non, c'est pas là. Et berles, voilà. On a quoi d'autre? Entraîner des chevaliers. Les chevaliers soignants. Ah oui, c'est vrai que j'ai récupéré quelques petites personnes de Swadia. Allez. Après consultation des pairs. Oh, Uxcal, il n'est pas à moi. Dommage. Rassurez-moi, c'est pas encore pillé ici. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. C'est vraiment cool qu'on ait récupéré pas mal de places fortes et d'endroits intéressants. Ah non ! Pagundur a été pillé. Pas cool. Déjà qu'il me rapporte pas beaucoup, mais alors si en plus on me le pille, ça c'est pas sympa. 34 déserteurs. Allez, c'est parti. On pille le village. Je croise les doigts.
Ok, on a récupéré 50 deniers et ça y est, on va pouvoir se refaire. Voilà. Alors, ces pieds là-bas. Alors, ce que ça donne. Ici, il y a des déserteurs. Enfin, on est tellement nombreux. Ils sont combien? 30. Oh, ça peut être drôle. Allez, là, ils vont vers le château. Je me demande est-ce que je peux attaquer le château. On va voir. Je vais juste voir combien ils sont. Euh, 168 plus 30, ouais, non, je peux pas le faire. Ça, clairement. 168 plus 30, c'est juste pas possible. Ça fait genre 190 Pékin. Même pas, ça fait 200. Allez, hop, on arrondit à 200. 200 contre 65, sachant que les défenseurs ont un avantage. Non, c'est pas possible. Déjà que c'est pas simple quand les... Quand ils ont pas d'avantage, bah alors en plus s'ils ont un avantage, on va pas le faire. La vache, ça a été complètement détruit ici. Là. Alors, on va essayer ici. J'espère que ça passe. Ok, c'est vert. Moi, c'est... Ah! J'aime pas ça. Oh! Oh! 65 contre 331. Ah! 41. Il faut que je laisse 41 soldats derrière moi sur 65. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout que je remonte. Merde. Est-ce qu'on peut juste espérer à nous battre contre les 331 personnes? J'en doute. J'en doute très 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 fortement. C'est pas la première fois qu'il me chope en plus. Donc c'est que là, si on perd, je perds énormément de trucs, de ressources. Bon allez, perds 20 en morale, mais c'est pas grave, on se barre. Tellement chaud. Bon alors j'en ai perdu un bon paquet, ce qui m'emmerde au plus haut point. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on refasse ces unités. Ah, d'ailleurs, je me fais courser. Mais là, 24 contre 36, je crains pas trop non plus. Hein. Faut pas croire. Ça me fait pas peur plus que ça maintenant que j'ai une équipe de gros tarés. Et ce qui m'embête juste, c'est que là, il va falloir récupérer plein de recrues et les réentraîner. Ça va prendre 20 plombes. Et c'est pas cool. De toute façon, ils vont finir par me choper au bout d'un moment. Voilà, ils vont finir par me choper un jour ou l'autre, peut-être. Ok. Oh, c'est pas sympa ça non plus, j'aime pas ce genre de zone. Valeur de renommée associée de 13. Oh merde, il y a beaucoup de cavaliers quoi. Ça, c'était genre pas sympa.
Mais c'est quoi ce mec? Il a quoi comme armée? Chaud, chaud, chaud. Je les occupe. C'est vraiment la seule chose à faire étant donné que là, il y a pas mal de cavaliers. Donc si je peux alléger un petit peu mon équipe en face. Enfin par rapport à ceux d'en face. Non mais pousse-toi du con. Exactement ce qu'il faut pas. Ok, là ça passe. Oh, j'ai failli me prendre un arbre. Aïe. J'ai pris un paquet de dégâts d'un coup. Voilà. Ok, là c'est bon. Pff, chaud. 14 morts. Bon, en face, il y en a 29, mais... C'est genre pas sympa. Ah pff, te fous pas là. Enfin, le cheval qui passe au beau milieu, c'est... Non mais... Voilà, évidemment, c'est exactement ce qu'il fallait pas. 15 tués, 9 blessés. Vous êtes... Je suis fait prisonnier. J'ai perdu un gourdin, ça va. Non mais, relâche-moi. Allez, on se tire. J'ai le cas là et une réunion. Bon bah j'aimerais y aller, sauf que là, je suis défoncé. J'ai perdu tous mes prisonniers. Bon bah là, pour le coup, le salaire hebdomadaire est plus qu'il était. Ça c'est la deuxième fois que le roi en face il me met dans la mouise totale. En littéralement de... défonçant toute mon équipe. Ça m'embête. Enfin voilà, il faut qu'on recommence depuis le débat, depuis le départ, pardon, le débat. Ah, j'ai failli gagner hein. Bon, en plus d'ailleurs je crois que j'ai monté de niveau. Agilité. Bon, on va mettre un pas en tactique histoire d'être prêt pour les prochaines fois. Ça fait 20 minutes déjà.
Bon, épisode de la loose, j'ai envie de dire là, épisode de la grosse loose qui pue. On s'est fait bien défoncer. Même si j'ai essayé de résister. Alors on voit clairement, je pense que le 65 contre 330, ça aurait pas réussi. Je pense que j'y serais pas arrivé. Ça aurait pas été possible du tout. Alors on va recruter des volontaires. Oh, je vais pas me faire avoir par des... Ah si, y a moyen. Alors, juste voir ce qu'il y a ici. Je vais vendre des trucs. Garde des caravanes, voyageurs. Fermier. Ah, les fermiers, c'est cool. Sarimiche. Ok. Donc j'ai sauvé le village de Sarimiche. Tac, on va vendre des trucs. Allez. Eh ben, c'est plutôt pas mal tout ça. Zut, pas le poisson, c'est pas grave. Toc, voilà, on va ranger un peu. Ça y est, j'ai récupéré un peu d'argent, mais vraiment, 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 il va falloir que je tienne un peu plus. Faut que je refasse mon équipe, faut que je refasse une bonne équipe, que je la réentraîne, et ça devrait aller pour la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, même si ça a été l'épisode du fail. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous!